Ce matin, c'est le dernier jour à Dubaï. Moi, je ne parle plus à Maeva, donc arrivederci, Maeva. Et j'ai une patate d'aller aux Caraïbes, comme jamais, frère. C'est un tournant dans ma vie. J'ai envie vraiment de tout changer, en fait. Je vais tout changer. Hier soir, je me couche, Maeva qui me dit, j'arrive pas à pas parler avec Eric. Je dis, tu es sérieuse, là? Elle me dit, ouais, j'arrive pas. Je dis, mais lui, il veut pas te parler. Il veut pas te parler parce que lui, il est amoureux de toi. Toi, tu veux juste un pote. Il lui a dit exactement pareil. Toi, tu le veux un pote, mais lui, il veut pas. Il me dit, ouais, mais c'est trop dur. C'est trop dur. J'arrête. J'ai dit, c'est un caprice. J'ai dit, c'est un caprice parce que vu qu'il te parle pas, eh ben, tu vas lui parler. Alors que s'il te parlait, ben, tu t'en battrais. Oui, il faut arrêter. Voilà. Après, c'est à toi d'être déter. Hein. Ah oui, mais me garder sous l'aile comme ça et me prendre. Comme tu as dit, frère, reprendre quand t'as l'envie. Pas du tout, frère. Pas du tout. Donc je pense qu'il n'y a que comme ça qu'elle peut comprendre, en fait. Ce matin, incroyable. Greg, il a aucune demi-mesure. Il ne calcule plus Maeva. C'est bien qu'il ait mis ce coup de pression, Greg. Mais c'est bien si c'est le dernier de coup de pression. J'espère qu'il va tenir ses engagements. Ça serait bien. Allez, où Maeva Guénan? Allez, Maeva Guénan. Allez. Faut se réveiller. Eh oui, faut pas faire que crier avec Greg. Faut aussi kiffer, se préparer. Ce matin, je me sens un petit peu triste. Je me dis qu'il faut un petit peu profiter. Mais bon, le fait de plus parler à Greg, ben, ça me prend la tête parce que c'est notre dernier jour à Dubaï. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir se réconcilier avant de partir aux Caraïbes. Oh, oh. Y a des saucisses ici. Oh, moi, je me mets là. Ah, j'adore. Oh. Tu vois le problème, c'est qu'on s'habitue à Dubaï, 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 on va arriver là-bas au Mexique. Okay. Allez, fajitas. Okay. Allez, okay. De bon matin. Je sais pas s'il nous attend au Mexique, mais c'est vrai qu'ici à Dubaï, on vit comme des princes. C'est la vie de château, c'est incroyable. On en profite à fond, on est ici en petit comité. Il nous tarde d'arriver là-bas aux Caraïbes et de voir les nouveaux Marseillais. On va voir comment ça va se passer. On est excités quand même. On va voir les bookers, les bookers, les nouveaux, les nouvelles. Les jobs. Profitez de l'histoire Maeva Greg, hein, parce qu'après, ça va être d'autres histoires qui vont tourner en rond. Après, c'est un souvenir. Hein. Maeva Greg, c'est un souvenir. Greg, tu attends quoi, toi? Comme tu attends une fille comment? Si tu... toi, c'est une bataille, tu veux quoi? Après... une Maeva, mais qu'il aime. ça, c'est son petit. Bien dit, soit rigolote. Oui, Maeva, t'es. Mais... qu'elle soit prêtée. Ouais, Maeva, ouais, pour l'instant. Qu'elle soit belle. Clairement, il y a Greg, il décrit sa femme idéale, et là, il décrit Maeva. Oh là là, Greg, arrête. J'ai plus misé sur un couple Maeva avec un mec. T'es vraiment un chien, toi. Mais c'est pas grave, frérot. Non, ça sera pour toi, mais... ça sera pour toi, mais parce que si tu te mets en couple, toi, avant Maeva... tu vas faire le toit. Tu vas faire ça exprès pour regarder Maeva et l'embrasser. Attendez, stop, stop, allô, allô. Allô, je tiens à dire quelque chose, on l'a pas dit. Maeva et Greg, on a arrêté d'en parler. Mais ça me fait tarpin de peine. Là, vraiment, je prends conscience que c'est pas comme d'habitude. Parce que d'habitude, ben, Greg, il revient tout seul au bout de 2 heures. Mais là, je suis clairement en train de comprendre qu'il n'y a vraiment pas d'issue. Je me dis, ça y est, j'ai perdu mon Greg à Dubaï. On fait quoi? On va se préparer? Allez, maintenant, on va se préparer. Il est temps d'aller tous se préparer pour aller rejoindre Jess et Thibaut. Après la chirolienne, après les dunes de sable, après les danseuses orientales, je me demande bien ce que Jess et Thibaut nous ont préparé. On sait déjà que ça va être génial. Je sais que Thibaut et Jess, ils nous ont organisé plein de surprises et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils nous ont réservé. On se prépare, on a rendez-vous à la marina. On va kiffer notre dernière journée ici. Et après, je pense qu'on va bien s'amuser au carré. Allez, on y va. Allez, les garçons. C'est parti, on y va. Allez, go to the marina. Allez, c'est l'heure de partir en activité. On va rejoindre Jessica et Thibaut, les chargeurs. Surprise, là, c'est trop content, c'est trop bien. Allez, grimper. Ah là, il nous faut kiffer à Dubaï. On arrive sur la marina et là, on
voit une yacht, mais incroyable. Et là, je me dis, mais non, Jess et Thibaut, vous nous avez pas fait ça. Mais elle est géniale, la vie ici avec vous. Je crois qu'on risque de venir beaucoup plus souvent en vacances chez vous, les gars. Méfiez-vous hein, de nous faire rêver comme ça. Alors, nous, on veut le programme, là. Est-ce que le yacht part du port? Là, on reste là, voilà, c'était votre On reste sur le port. C'était play. La surprise. Port play, il y en avait. Non, on part en mer, on va se baigner. Ah ouais? Ah, mais non. Ouais. Oh. Les amis, on a même un chef qui va cuisiner. Oh. Oh. Mais c'est quoi cette dinguerie? Franchement, ils sont en train de nous faire faire un voyage de rêve. Là, on a même plus envie de partir. Nous, on veut rester à Dubaï avec eux. C'est trop bien tout ce qu'ils nous font faire. Check, check, là. Et les gars, c'est la plus grande roue du monde. D'accord. Celle-là. Waouh. Mais elle tourne. Elle fait la taille de la tour Eiffel. 300 mètres de haut. Ça tue, hein. C'est trop beau, j'aime trop la marina. C'est incroyable. Là-bas, il y a l'Atlantis derrière au fond. Là-bas. En fait, ici, tu te réveilles tous les jours, tu as des trucs à faire. Il y a plus de... Je sais plus combien. 4000 restaurants. 4000 restaurants. Je peux pas t'ennuyer. 4000 restaurants. On s'improvise un peu guide touristique. Hein. On est contents, nous. On leur présente un peu notre ville. Enfin, c'est notre ville. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on y est, donc on se l'est approprié. Donc du coup, on est content de leur expliquer un peu tout ce qu'on sait sur Dubaï. Donc on est très fiers. Les gars, on va se baigner. Tout ça va. C'est parti, on se jette à la mer, on lance les bouées, c'est la folie, on se régale. L'eau, super bonne, il fait chaud. Tout est parfait. Petite planche. Rendez-vous Caraïbes. On kiffe, on baigne, on saute, on s'amuse, on rigole. Dans la mer de Dubaï, vue sur les buildings, vue sur la grande roue, vue sur tout. Voilà, on se régale. Ah les gars, vous savez ce que je vous ai pas dit? C'est qu'il y a une saute de buildings. Elle est là, ils sont très courageux, les Marseillais. Elle est où? Vraiment, t'as touché, donc elle t'a piqué, hein. C'est le moment de panique. Tu vois, j'ai un mec qui me tire pour survivre. Là, je comprends que s'il y avait vraiment un requin, je serais décédé. Ah oui, là, c'est instinct de survie. C'est chacun sa peau. Allez, Marseille contre le reste de la méduse. c'est la méduse qui a gagné. Tu l'as vu ou pas? T'es comme ça? Il y a plus de famille, là. Qu'on veut parler plus de baignade à Dubaï. Oh là 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 là, l'a échappé belle. La baignade est officiellement terminée pour aujourd'hui. Voilà, on va profiter seulement du bateau et de la bouffe. À table. Amuse-bouche, c'est juste parfait. Merci Jess et Thibaut. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on est que entre nous, ce noyau dur des Marseillais, et ça fait trop plaisir. C'est comme si on était partis tous en vacances et qu'on avait oublié les problèmes, les conflits, qu'on profitait juste des bons moments. C'est génial. Tu vas bien là? On va vous manquer quand même un peu, hein, non? Ouais. On va vous manquer. Bah ouais. Tu sais, hier avant de se coucher, on se disait qu'on vous aimait vraiment bien quand même. Hein. Vous allez vraiment nous manquer. Je te jure, on se disait ça. Être avec eux ou être avec moi? Avec eux. Avec toi, avec eux.
Avec tout le monde ? Avec toi et eux. Avec les fratés. Avec les binômes. Les Marseillais, c'est toujours un plaisir de vivre des aventures avec toute cette famille. Et voilà, à chaque fois qu'on se revoit, c'est comme si on s'était jamais lâché. C'est une colonie où on adore passer des moments ensemble. C'est trop bien, on se régale. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé être aux Caraïbes pour voir ça. Oh là là, arrêtez de me dire que vous allez aux Caraïbes là. Tiens, on est deg là. On est deg. Alors attends, on va demander chacun son tour son projet pro. Ben, ça serait quoi ton projet pro ? Shooting, photo. Ah ouais, toujours dans le... Ou serveur, comme avant. Ah ouais, à l'ancienne. Et toi, bah, pas jouer. Moi, c'est la danse. Je veux faire des spectacles. C'est malade. Le lit est fou. Ça y est, depuis qu'il a fait son dernier spectacle de drag queen. Bon, c'est vrai. Je vais vous dire quelque chose. Allez, dans la dernière aventure, j'ai fait un spectacle déguisé en femme. Et d'être sur scène et danser comme ça, ça m'a. Il y avait carrément les faux ongles, les faux cils. Ça m'a fait du bien. 4 heures de maquillage. Ah, ça m'a fait du bien d'être sur scène. Chocolatine. C'est ton prénom. Du coup, je me suis dit là, il faut vraiment que je révèle ça en moi. C'est malade, frérot. Et là, je veux vraiment boire du chaud. Tu veux danser en toi ou en femme? Non, moi, je veux danser en mec. Il lâche pas l'affaire. Hein. Je crois qu'il va rester dans la danse pour cette année. Et c'est de plus en plus inquiétant parce qu'il prend de plus en plus ça au sérieux et se convainc à lui-même qu'il est danseur. Donc j'ai peur de la suite. Je sais pas où ça va mener cette histoire. Mais je pense pas loin. Et Carla, c'est quoi ton projet pro, toi ? Eh ben écoutez, moi, il y a un projet que j'ai un peu oublié depuis quelques années. Oh. Et j'aimerais recommencer. La musique ? Ouais. La chanson ? La chanson. 'Chose au fond. Elle aime beau Greg, elle aime beau Greg. Là, mais soyez honnête, c'est tarpin horrible. Arrêtez de faire semblant, c'est dégueulasse. Carla nous dit que la chanson, c'est une passion qu'elle a laissée tomber depuis longtemps. Mais à un moment donné, mais elle a bien fait de laisser tomber. Mais elle aurait mieux fait d'oublier même que ça existait. C'est une horreur, elle chante mal, c'est horrible. Mais personne lui dit en plus. Kevin, il est là. Non, c'est moche. Alors, je vous explique, Ruby, quand je lui chante ça, elle dort cash. C'est pas qu'elle dort. C'est pas qu'elle dort. La minute, elle ment. Elle ment. Elle est obligée de faire semblant. Elle s'endort cache là-dessus. Le problème, c'est que Carlette se dit quand elle chante, Ruby, elle s'endort. Mais la petite, je crois qu'elle a compris que si elle dort, elle arrête de chanter. Du coup, elle ferme les yeux, elle lui fait croire qu'elle dort, mais elle ne prend pas. Intelligente, ma fille. Carla, elle a le droit de faire maintenant des photos et tout ça. Jess, tu viens de soulever un caïpi de... Non, mais c'est... Tu viens de lui mettre une petite ampoule dans sa tête en se disant... Non, mais maintenant qu'elle est à toi, vous avez un enfant, non, là, c'est bon, elle peut faire des shooting photos, elle peut danser. Depuis que j'ai accouché, je peux faire ce que je veux. J'ai l'impression qu'au final, depuis qu'on a eu un enfant, c'est vrai qu'on se fait confiance mutuellement, donc je pense que ça devrait pas poser problème. Et puis, j'y peux rien. Et s'il aime une mannequin, bah, c'est pas ma faute. Hein. Du coup, elle a le droit de faire des shooting photos, toi, t'as le droit de... tout le monde a le droit de tout faire, en fait. T'as le droit, toi ? Bisous ? Non, mais de danser, de faire... Ah oui, putain, j'ai bien tiens dansé. Mais c'est pas elle qui est jalouse, ouais, mais pas vraiment mon objectif. C'est lui qui est jaloux, c'est la danse. Arrêtez de mettre sur la zone. C'est lui le jaloux. C'est lui le fou. Elle peut faire des photos. Ah, non, on parle pas de ça. Tant qu'elle me laisse danser. On parle pas de ça, que tu vas faire. Les gars, vous parlez trucs de nuit, on s'en fout. Non, 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 non. Julien, il est pas du tout à l'aise quand tout le monde admet qu'il est hyper jaloux et que des fois, il est même ridicule. Et je vois qu'il commence à faire la tête, clairement. Je connais son regard, je connais son attitude. Je vois qu'il le prend hyper mal que, on parle de ça. Mais au bout d'un moment, ça peut pas être à chaque fois pas assumé, tout le temps caché, alors que tout le monde est au courant ici. Oui, Julien est hyper jaloux, sauf qu'il l'assume jamais, en fait. T'as vu quand tu piques, hein ? Il s'en sort plus. Toi, tu aimes faire que des caipineux, mais tu aimes pas avoir des caipineux. Ouais. Il en a jamais. J'aime ma femme et je suis jaloux si elle regarde notre mec ou pas. C'est normal, ça fait quoi ? Alors, j'en ai rien à foutre, je te le dis normal. Allez, vas-y, exprime-toi, la Zoz. Exprime-toi, la Zoz. Vas-y, la Zoz. Il y a certains soirs où on est complètement fou et il me fait des cris de jalousie sur toi, sur lui. Voilà. C'est tout. Va sur son fraté. Oh, lâchez-moi avec cette histoire, c'est bon. Ben voilà, c'est plus fort que moi et ça m'arrive de faire des crises de jalousie à tout va. C'est, voilà, c'est un petit problème que j'ai et je l'assume, mais je peux pas trop en parler. Vous avez remarqué un truc, quand tu pigunais, il s'énerve, la tête elle change. Chocolatine, elle change. En fait, le vrai problème qu'il y a, je vais vous le dire, c'est qu'en fait, il fait des vraies crises à Manon. Oui. Et le problème, c'est qu'il les assume pas. Il les assume pas. Et le problème, c'est que du coup, ils sont toujours en conflit, mais discrets, genre. C'est ça. Et en fait, à un moment donné, il faut faire péter le truc. Moi, je conseille tout simplement aux garçons de faire aussi des problèmes à Monsieur Problème.
ou en tout cas de gérer ses problèmes parce que c'est vrai qu'il se vole un petit peu la face. Il dit que tout va bien, alors que ben, y a peut-être pas tout qui va bien parce qu'il fait des crises de jalousie à Marceau. Pour de vrai, c'est votre ami, vous devez lui dire arrête de faire des crises. Maintenant, elle est droite, elle est comme ça, à un moment donné. Non, mais après, il assume pas le matin et en plus, surtout, il aime pas avoir des problèmes lui, donc c'est un gros mal, ça. Ça arrive hyper pied. En fait, j'ai compris. Je veux faire péter tous les problèmes si c'est lui qui a les problèmes. Mais c'est la vérité. Julien, il supporte pas qu'on lui parle de sa jalousie, qu'on le pique, qu'on lui crache le venin. Parce que lui, sait très bien le faire avec ses problèmes. Mais maintenant, je crois qu'il est temps de lui faire des problèmes. Et je pense qu'au Caraïbe, il est pas prêt, le garçon. Ce que je vais lui faire, il est pas prêt. Je régale, franchement, c'est incroyable. Bon, moi, Jess, j'ai un dernier service à te demander. Oh. Je voudrais, avant de partir, qu'on aille dire au revoir à Mylon, parce qu'on va plus le voir après. Ça fait. Avant de partir, Carla, elle a une très bonne idée. On va aller voir le petit Mylon. Du coup, ben voilà, on quitte la mer. Direction la villa de Jess et Thibault. Avant de prendre l'avion, on va lui faire un gros bisou au petit prince. Allez, c'est bien, notre fils, là, viens. Allez, notre fils, là, on va lui faire des bisous. Je vais manger le cou et toi, là, il me manque, là. Monsieur. Il est où le petit masque? Qu'est-ce que ça J'espère fait. Qu'il est réveillé. Il est où le beau gosse? Oh, je sais pas. Il est où le bébé? Tous les 3 heures, alors avec un peu de chance. Je crois qu'il dort. Mylon. On arrive à la maison. Voilà, Mylon est en train de dormir. La dernière fois que les Marseillais viennent à la maison avant leur grand départ pour les Caraïbes. Et voilà, c'est vrai qu'ils vont beaucoup me manquer et ça me fait plaisir de les avoir un petit peu avec moi. Il dort tout le temps. On dirait moi, il est comme ça, bouche ouverte. Regarde comme il est beau. Il est aussi beau que son papa. C'est ça de l'hôpital. Ah bon? Mm-hmm. Il est beau, hein? Mais ouais. Trop magnifique. Tu crois qu'on fait les choses à moitié, ouais? Qui est le plus beau des deux? C'est lui. C'est vrai? Bah, tu trouves que c'est lui? Bah oui, il n'y a pas photo. Ah, moi, je trouve que c'est tous les deux. Quand je vois mon fils, c'est vrai que c'est trop d'amour, il est magnifique. Je l'ai trop bien construit, il est parfait, il est beau, il est magnifique. J'ai jamais vu un bébé aussi beau, je pourrais le bouffer tellement que je l'aime d'amour. Hein. Oh, qu'est-ce que je l'aime? Ben, en tout cas, on a passé un super bon séjour, non? Ah ouais. Je suis trop deg, moi, du coup, je sens que vous partez, genre, vous venez me dire au revoir. Mais moi, je vois un point positif. C'est que dans pas longtemps, vous êtes de retour parmi nous. Ouais. Parce que là, je vois que tout commence à aller mieux, tout est nickel. Ouais. Je sens que là, c'est une histoire plus que de 3-4 mois après un buffet. Bah là, je vais profiter de mon fils, de mon mari. Je regarde un peu, après, on vous rejoindra. La prochaine saison, pour le prochain cross. Voilà. On viendra jouer avec vous. Pour la coupe. Une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Les notices qui seront là pour défendre les couleurs des Marseillais au cross, bah, on est super contents. Parce que bah, ils nous manquent. Je sens qu'ils ont envie de venir, mais bon, après, bah, ils peuvent pas avec le petit. Il y a encore des trucs à gérer, du coup, bah, ils vont rester ici, à Dubaï. Bah, moi, j'espère que Paga, tu vas trouver l'amour. J'espère que tu vas y arriver. Merci, mais bébé, ou toi, tu vas oublier Maëva. Hein, on va ouvrir des paris. Qui espère que bébé ou va oublier Maëva? On ne sera plus amis, toi et moi, c'est fini. Tu veux qu'on se parle la vie? Plus jamais. Parce que je veux pas me remettre avec toi? Mais ça n'a rien à voir avec ça, tu persistes sur ça. Le jour où tu arrêteras de mentir et que tu fasses un travail sur toi-même. Mais je mens pas, j'ai pas envie de me remettre avec toi. Mais c'est pas la question. Bon, allez, les gars. Je veux juste être amis. Allez, c'est bon, toi. Merci. Moi, je veux plus que tu t'abandonnes dans ma vie. Plus avec elle, voilà, c'est fini. Plus fini, ciao. Fini, ciao. Greg, je ne l'ai jamais vu comme ça. Là, le fait qu'il ne parle pas, ça me convient pas du tout. Donc, du coup, je pars aux Caraïbes très anxieuse parce que dans ma tête, je suis perdue. J'aime Greg, mais j'ai pas envie de me mettre avec lui. Mais j'ai quand même envie de trouver l'amour. En fait, même moi, je me comprends pas. Même moi, je suis un point d'interrogation. Retiens tout ce qu'il dit, hein. Voilà. Ah oui, mais c'est. Même je l'écris, je le signe. Il n'y a pas évite Carla le mariage. On en est où? Toi, Carla, ta main, elle est vide. Ma main, elle est vide. Ouais. On va vous retrouver peut-être avec une bague au doigt la prochaine fois, du coup. Ça va arriver. Elle, c'est sûr que ça va arriver. Ça va arriver. Pas tout de suite, mais ça va arriver. Mais c'est, on est dans les projets. On a soulevé un cas épineux. J'aimerais bien un jour pouvoir me dire que ben, y a une petite jolie bague qui se poserait sur mes doigts. J'aimerais vraiment. Que bah, ça soit l'apothéose de notre amour, ce mariage-là. J'ai quand même envie d'avoir le même nom que ma fille et le même nom que Kevin pour être une vraie famille ensemble. Maintenant qu'on a eu Ruby, bon, bah, je crois que c'est un peu le bon moment. Peut-être qu'un jour, sur un malentendu, il me demandera en mariage. Et moi, j'aimerais que t'arrêtes de faire des crises de jalousie à Manon. Ça me ferait plaisir. Merci, Jess. Voilà. Tu peux on va y travailler. J'ai trop d'amour pour elle. Je l'aime à 1000%. C'est compliqué. J'essaye de réduire mon amour. Je me bats un peu pour réduire mon amour. Sur le bateau, je me suis mis un peu loin. J'ai dit, moi, je suis pas trop à côté. Après, j'ai un peu craqué. J'ai dit, on se retourne un peu.
Le problème, c'est que quand il fait ça, je sais qu'il fait ça exprès. Ah merde, putain. Ben oui, c'est grillé, bébé. Bon, ben, je vais continuer à l'aimer à 1000 alors. Oh. Ça me fait plaisir parce que bah, j'ai peut-être pas gagné la guerre, mais en tout cas, j'ai gagné une petite bataille. Julien vient d'avouer à demi-mot que oui, il était jaloux. Il vient de l'assumer devant tout le monde. Et voilà, je compte vraiment bien le faire arrêter de me faire de crises jalousie aux Caraïbes. Parce qu'en plus, c'est pour rien. Et non, en fait, je lâcherai pas le morceau. Je suis trop triste qu'il parte, genre. Bah ouais, chaque fois, c'est ça. Hein. Moi, je suis triste, là, d'un coup. Ah oui ouais. Bon, après, les Caraïbes. Je suis triste, d'un coup, il a dû aller mieux à pleurer en Orangien. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous revoir les Marseillais. Même si on sait qu'on va les revoir, etc. Ça fait toujours un peu de peine de les quitter. Mais je suis content parce qu'ils vont se régaler là-bas. Et nous, on va s'occuper de notre enfant à la folie. Donc ça va être plein. Et rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures. C'est pas un adieu, c'est qu'un au revoir. Voilà, je vais les revoir très rapidement. J'espère que cet été, on pourra, ben, avec Thibaut, aller gagner la coupe contre le reste du monde. Et on sera là. En tout cas, voilà, je leur remercie d'être passé. Ça m'a fait vraiment du bien. Et voilà, je les aime très très fort. Vraiment génial ce petit moment passé à Dubaï, on s'est vraiment régalé. Ça annonce une aventure aux Caraïbes très tchatcheuse. On part tous direction les Caraïbes, prêts à sortir le carnet des problèmes. Il passe au Caraïbe pour foutre la Java. Les
arrivé aux Caraïbes, là on est vraiment bouillant. Les Marseillais, Mexico, ils dansent la salsa. Ils partent aux Caraïbes pour foutre la java. Les Marseillais, Mexico. C'est la première fois que je vais au Mexique et moi le Mexique ça m'évoque la salsa, le guacamole, le soleil, la fête. Oh, j'ai trop trop hâte de découvrir le Mexique et les Caraïbes. La 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 la. Donc à mon avis, c'est la bouqueuse, c'est la villa. Mais c'est un truc de dingue, la maison elle est sur 4 étages. Aïe, c'est le château des fratés. Plus on s'approche et plus on voit la maison. Palmiers, sable fin, blanc. Rooftop sur 3 étages, avec la piscine en haut, ça coulisse, ça... Oh bon, bon, une ambiance, cette maison. Les Marseillais, Mexico, les chants, ils dansent, la salsa, les chants, ils vont, avec Kevin, allez, la tête. Hola les Marseillais, hola, hola. Hola. L'aventure commence ici, aux Caraïbes. Carla va me rejoindre dans pas longtemps avec Ruby. Il me tarde qu'elle me rejoigne. Mais bon, voilà, on a une aventure qui nous attend. Du coup, on dit bonjour à la bouqueuse. On sait pas ce qui va se passer, quels vont être les jobs, qui vont être les nouveaux. La maison, on la voit de l'extérieur, elle est incroyable. L'aventure, à mon avis, elle se manque d'elle. Les Marseillais, Mexico, ils dansent la salsa. Ils passent aux Caraïbes pour foutre la java. Les Marseillais, Mexico. On a les pieds dans le sable. La plage, elle est dans la maison. C'est un truc de fou. On est surexcité. Moi, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de découvrir les nouveaux, bien évidemment, pour avoir un maximum de problèmes. Buenos días, les Marseillais. Comment Hola. Ça va? Hola. Oh, 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 ça va. Alors, vous avez fait bon voyage? Super. Magnifique. Très bien, on s'est régalé. Bon voyage, on est en forme. On est chaud patate. On chante, on danse, on va surtout danser. Les Marseillais, bienvenue dans les Caraïbes et plus précisément ici à Tulum. Oh. Yeah. Oh. Je m'appelle Maui et j'y vais être votre buqueuse tout au long de cette aventure. Maui, Maui. Maui. Maui, Maui. Maui, Manon. Maui, Manon. Maui, Manon. Maui, Manon. Maui, Manon. Maui, Manon. C'est cool, ça. Bonjour, les Marseillais. C'est Maui. Bienvenue aux Caraïbes. Oh, je fonds, je fonds. J'ai plein d'émotions qui circulent dans mon corps. Oh, ça sent la caliente, caliente. Les Marseillais, vous êtes 7 pour le moment, mais comme vous vous en doutez, vous allez être rejoints par des nouveaux arrivants. Oh. Yeah. Ils sont 5. Ils viennent tout droit du sud de la France, comme vous. Oh. Ils sont déterminés pour réussir professionnellement dans l'une des plus belles régions du monde, que c'est ici. Ah oui. Ah oui. Les Caraïbes. Ah, oui. Ah ben oui. Ah oui, ah oui. On est d'accord. On est au courant. On est d'accord. On est pas, hein. Moi, personnellement, c'est ma région préférée. La bouqueuse Mary nous explique qu'il va y avoir 5 nouveaux arrivants. J'ai le cœur, il monte au cerveau tellement il fait des tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom. Donc je me languis vraiment de voir les nouveaux et surtout les nouvelles. Les Marseillais, il est temps pour vous de connaître les nouveaux Marseillais. Oh, à chaud. Oh, oh, à chaud. Oh. Marseillais ou Marseillaise? Le premier Marseillais, c'est une fille. Elle est belle comme un cœur. Elle a 26 ans, mannequin professionnel. Voici Océane. C'est Océane, yeah. J'ai 26 ans et je partage ma vie entre Marseille et Paris. Okay. Je travaille sur Paris parce que j'adore la mode et d'ailleurs j'en ai même fait mon métier. Click, click. Yeah. Pause. Pause, pause, pause. Je suis modèle photo pause, et influenceuse. Pause, 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 pause. Yeah. Hold up, hold up. Oh my God. Souvent les gens s'arrêtent à mon physique, oh my God. Mais j'ai aussi du caractère. Je suis sociable et souriante et j'ai une relation très fusionnelle avec ma soeur jumelle et mon frère. Allez, c'est parti pour le footing. Ma passion, c'est le sport et
d'ailleurs, je m'entraîne tous les jours. Et quand je veux quelque chose, je me bats pour l'avoir. Ah ouais? Allons, game up. Je suis célibataire depuis 2 ans. Ça commence à faire long. Chez les Marseillais, je connais un petit peu Paga. D'ailleurs, on a déjà eu quelques bisous. Mais je l'ai jamais revu depuis, donc bon, on verra bien ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte de découvrir les Caraïbes et ces plages paradisiaques. C'est vraiment un rêve qui se réalise et j'espère pouvoir percer là-bas en tant que modèle photo. C'est mon ex. Mais non. Déjà, Popo? Bon. Quand je vois arriver Océane, je me dis, bah, mon ex. Un an après ma rupture après Adixia, on s'est fréquenté lors d'une soirée à Paris. Elle est descendue sur Marseille pour me voir. On a passé un bon moment. Chloé. C'est ton ex-belle-sœur. Hola Océane, bienvenida. Salut. Là, la première qui arrive, c'est Océane, qui est la sœur jumelle d'une fille que j'ai fréquentée. Moi, quand j'étais avec sa sœur, j'ai l'impression qu'elle mettait des bâtons dans les roues dans notre relation avec sa sœur. Voilà, ben, elle est là, bienvenue dans la famille des Marseillais. Océane, chantée. Oui. Enchantée. Hey, hey. Je suis un peu moins. Comment on se retrouve? Ouais. T'as l'air de connaître beaucoup de monde là. Comment? Je rigole. Comment on se retrouve? Ça va? Ça va, enchantée. J'arrive, je dis. Je suis heureux de le voir ici. Je pense qu'il va bien s'intégrer dans cette maison. En tous les cas, je vais tout faire pour lui. C'est vrai que tu me fais la bise, frère. Frère, ça va? Tu me fais la bise, frérot? Tu fais plus la bise, tu fais pour Chris Brown. Hein, frérot? Oh là là, m'obligez pas à sortir un Gucci. Frérot, à Marseille, on dit pas bonjour. Pourquoi tu me dis bonjour là? Dis pas bonjour, frérot. Tu me parles pas, frère. Ah, d'accord, ça y est. Tu sais très bien ce que tu as fait, Alan, donc arrête. Et alors? Voilà, tout simplement. Ah, ça y est, tu es rancunier? Eh oui, mais complètement, tu es un fada, frère. Ah, mais ça va. Tu es complètement fou, frérot, arrête. T'as la mémoire courte. Maëva encore fait des siennes? Eh oui. Tu as embrassé mon ex devant ma figure, en fait. Et toi, tu oses venir comme si de rien n'était me faire la bise. Ça me met le démon parce qu'il sait notre relation avec Maëva.
Donc moi, pour moi, c'est un couteau dans le dos et pourtant, je l'aimais beaucoup, Alan. Donc à un moment donné, il ne me parle pas, en fait, il ne me calcule pas, tout simplement. Bonjour Alan, comment Bonjour. Ça va? Ça va, bien. Bien accueilli par Greg, mais ça va. Alan, qu'est-ce qui se passe avec Greg? Ben, on va dire que je me suis rapproché de Maeva. Et il a appris, malheureusement, il a appris. Et je comptais lui dire de moi-même, mais ça a fuité. Je l'ai appris, en fait, devant ma figure, mais, en fait. Mais ils étaient en couple? Donc, ben, non, je pensais pas qu'ils étaient en couple. Je sais pas, moi, je m'entendais très bien avec Alan, tu vois le délire? Je m'entendais bien. Maeva, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fréquenté Alan et... Tu l'as kiffé? Ouais. Oh! Attends, attends, attends! Les gars, me chauffez pas, je sors le bloc notes! Arrêtez! Me chauffez pas! Frérot, tu sais quoi? Je te donne un cadeau empoisonné, là, Ziz. Vas-y, frérot. Ah ben, ça prend, moi. Je suis là pour l'apprendre, hein. Non, mais par contre, arrête de parler de moi comme ça. En fait. Ouais, c'est chaud. Non, mais je te le dis, calme-toi. Je vois bien que Greg, il est pas ravi de voir Alan. Moi, je m'en fous. Moi, je suis ravi. Greg, il est jaloux. Mais bon, moi, Alan, c'est quelqu'un que j'adore et je suis trop contente de le voir. Kevin, qu'est-ce que ça te fait de voir ton cousin ici, au Caraïbes? Ben, ça fait bizarre, hein. Et alors? Il a dit qu'il est très séducteur. Est-ce que c'est la relève? Ah, ben ouais. Voilà. Est-ce qu'il peut être jaguar? Eh ben, je peux faire une cérémonie du... Je peux donner un jaguar. Alan, c'est mon poulain. Depuis qu'il est petit, il reste avec moi. On est vraiment comme deux frères. Et le jaguar, il était mort. J'ai même peur qu'il y en ait un nouveau. On va connaître le troisième Marseillais. Vous êtes prêts? Allez, ouais, on est prêts. Si? Alors, elle est drôle, elle est jolie, elle est vraiment intelligente, elle parle quatre langues. Wow! Elle va nous aider. Ça, c'est rare, hein? Alors, on va dire bonjour à Mason. Salut, je m'appelle Mason, j'ai 22 ans, je viens de Marseille et je suis étudiante en école d'ingénieur informatique. Ah ouais? Au quotidien, moi, je suis entourée que de geeks. Je suis la seule fille de la classe. Et donc, forcément, je passe pas inaperçue. Je sais que j'en ai pas l'air, mais je suis surdouée. J'ai 147 de QI. Je parle 3 langues. Je suis un peu hyperactive. Oh yeah. J'ai tout le temps besoin d'être en mouvement. Je fais du piano, de la danse, de la guitare. Je suis jamais fatiguée. Ma grande passion dans la vie, c'est de faire la fête. J'adore danser, sortir avec mes amis, m'amuser. Et draguer. Très important. J'ai déjà eu des relations longues, mais on me l'a mise à l'envers une fois. Du coup, j'ai plus du tout envie de me poser. Pause. Chez les Marseillais, celui qui pourrait le plus me plaire, c'est Greg. Je sais pas si ça plaira à Maeva, mais clairement, j'ai pas peur. Je n'ai qu'une hâte, c'est de commencer à faire la fête avec tous les Marseillais. Me voilà, vous êtes pas prêts. Salut. Bonjour, Mézanne. Salut. Qu'est-ce que t'as? Ça va? Ouais, ça va. Pas trop stressé. Si, grave. Ça va aller, Fraté, t'inquiète. Pense aux Caraïbes. C'est quoi son prénom? Maïsan. Greg, il a bien retenu Maïsan, hein, ouais. Il nous l'a répété 3 fois. Hein. Maïsan, magnifique. En plus, elle habille en rose comme moi. Donc, c'est peut-être un signe, qui sait. Et je pense que l'aventure va être... torride, les bébés! Alors, Maïsan, manifestement, tu es ce qu'on appelle surdoué. Ouais. Ah bon? Ben, tu vas relever le niveau. Maïsan, apparemment, c'est un petit génie. Elle a un QI au-dessus de la moyenne. Et elle parle 4 langues. Donc, bon, ben, OK, ça fait du bien d'avoir une petite lampe dans cette maison. Non, mais sérieux, ça fait du bien. Je vais pas me sentir seule, au moins. T'as combien de... 147. Plus bah oui, c'est génial. Elle va m'aider à faire un algorithme des problèmes. Ouais, c'est jackpot. Maïsan, on va se poser tableau, crayon, algorithme, défraté, problème. On va s'éclater. La bouqueuse, elle me présente comme la surdouée, l'intello de l'aventure. Julien, lui, direct, il saute sur l'occasion, il veut mettre à profit mon intelligence pour faire un algorithme des problèmes. L'idée est intéressante, on va se pencher sur le sujet. Il est temps de passer au 4e arrivant. Il est beau comme un prince. Oh ! Les voici. Moi, c'est Nico, j'ai 26 ans, je suis de Marseille, mais j'habite à Londres et je suis serveur de boîte de nuit. Ici, ils savent faire la fête. Ah ouais? Benji, c'est mon meilleur ami. On s'est rencontré au centre de formation de l'Olympique de Marseille. Ben, on a fait les 400 coups ensemble. Et comme Benji, j'ai une passion pour les tatouages. Ben, je suis fan des tatouages. C'est ce qu'on kiffe. Je suis un vrai gentil et pour mes amis, vraiment, ben, je donnerai tout. Allez, les gars. Par contre,
Il ne faut pas me prendre pour un idiot. Je sais pas trop si on peut me qualifier de dragueur parce que je ne sais pas trop draguer. C'est pas de ma faute. J'ai eu des relations par-ci par-là, ça n'a jamais duré trop longtemps parce que je me lasse aussi vite que je m'attache. Mais aujourd'hui, voilà, je suis célibataire. Je pense que ça va pas être trop mal. J'ai vraiment hâte de faire la surprise à Benji parce que quand il va me voir, il va avoir des billes comme ça. Le Marseillais, j'arrive. Je pense qu'il le connaît. Ouais. Non, ouais, le connaît. Je crois que c'est son meilleur ami. Je crois que c'est son pote à la compote. J'avais l'impression que j'étais en cavale à Marseille. Je me cachais partout. J'ai pourvu qu'il me voit pas. Je suis trop content. En fait vraiment, je pouvais pas rêver mieux dans cette aventure que d'avoir Nico. Parce qu'on se connaît depuis qu'on a 13 ans, 14 ans. On a un tatouage en commun ici. On a grandi quasiment ensemble. Je sais que voilà, il n'y a pas Alix à mes côtés. Donc vraiment, d'avoir Nico, c'est vraiment une... C'est comme si on m'avait rajouté un poumon, en fait. C'est un truc de fou. Oh, il a pleuré, il pleure, tu pleures. C'est terriblement mignon. Tu es content, la zèze? C'est mon sang, frérot. Attention, ouais. Ça va commencer. Ah, il est chaud, frère. On se connaît, non? Hein? Tu vas pouvoir noter un problème direct. Mais les couves. Et Océane. Ah ouais? Oui, il y a déjà quelque chose. Akash? Il y a une histoire? Océane et Nico. Ils sont fréquentés et donc à suivre cette histoire parce qu'il y a aussi Paga. Eh. Et enfin, il est temps d'accueillir le dernier Marseillais. Oh. C'est une fille. Ah. Elle a 21 ans. Elle est jolie, elle est pétillante. Bref, elle a tout pour elle. Hein. Vous êtes prêts? C'est nos gazelles. Bonjour, bonjour. Alors, la belle Victoria. Hey. Je m'appelle Victoria, j'ai 21 ans. Et je suis esthéticienne, enfin, je fais des postes d'extension de cils, en fait. Ok. J'adore mon job, j'adore prendre soin de moi, et en plus de ça, je suis une shopping addict. Yes, yes. Move my body. Je suis pétillante, je bouge tout le temps. Je taffe, je sors, je vais au sport. Franchement, j'arrête jamais. J'ai une autre passion dans la vie. Ah ouais? C'est la danse. La nouvelle Beyoncé, Fana, c'est moi. J'ai toujours été en couple. Bon, pas forcément avec des mecs bien pour moi, mais j'étais un peu cocu, en fait. Mais bon, je suis une amoureuse de l'amour. J'adore l'amour, les petits cœurs, les cils et ça. Et en plus de ça, je tombe amoureuse très très vite. Donc, on y croit encore. Alors, c'est parti pour plein de sourires et plein de découvertes aux Caraïbes. Salut Victoria. Hola Victoria. Salut, Victoria. Moi, je t'appellerai Vivi, ça te dérange pas? Non, Vivi, ça me dérange Vivi. Allez, viens, drôle. Salut. Ça va? Vivi, ouais, toujours Victoria, du coup. Salut. 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 Salut, ça va? Du coup, tu t'appelles? Blandine. Blandine. Victoria, elle dégage une pêche, elle a une patate, elle arrive. On dirait qu'on est ses couches du 12 depuis 20 ans. Tadam. Meilleure entrée. La palme, la palme de la. Vous voulez que je fasse une roulade? Elle est rigolote, elle est joyeuse. Ça va être vraiment le petit rayon de soleil des frères. Les Marseillais, maintenant vous êtes au complet. Ouais, ouais. Arriba. Quelle brochette! La famille des Marseillais aux Caraïbes est au complet. Je trouve vraiment que les nouveaux Marseillais sont au top. Je sens vraiment qu'on va faire une aventure de folie. Clairement, je me dis 5 nouveaux Marseillais, c'est 5 fois plus de chances de faire 5 fois plus de problèmes. Everybody let loose. Yeah! Ah ouais? Bring it. Quel melon. Petit chaton. Non, un petit crameur. Vraiment, il est fou. Allez. Alan. Maëva, donne-moi tes valises. Mais bouge de là, toi. Au revoir tout. Voilà. Non, mais on est où, là? Nico. Dans la rue,
si je croise Greg ou Nico, je me retournerai plus facilement sur Nico. Ah ok, ça va. Dis-moi, c'est laquelle qui te fait le plus? C'est toi. Waouh. Tout problème. Ouais. T'as pété les plombs.